Vous avez les trépieds là, vous déposez les micros. C'est mieux. Voilà, pose ton micro. Non, placez les micros, allumez-les. Monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation. Excellence, monsieur le ministre des travaux publics, du transport et de l'équipe. Excellence, madame la gouverneure de la ville de Conakry, chers cadres de l'éducation, chers invités, en ma qualité de responsable de la population de Dixine, c'est pour moi une grande joie de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à cette importante délégation conduite par son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Chers invités, Excellence Monsieur le Ministre, la commune que vous nous faites honneur aujourd'hui de visiter est composée de 22 quartiers, 129 secteurs, pour une population estimée à 172 000 habitants. La pose de la première pierre pour la construction de cet édifice scolaire est un événement majeur pour la commune de Dixine, dans la mesure où elle en manque considérablement, surtout des collèges et lycées publics. Je suis persuadé que la construction de cette école publique permettra aux parents d'élèves d'y inscrire leurs enfants à moindre frais. Excellence, Monsieur le Ministre, depuis l'avènement du CNRGD au pouvoir le 5 septembre 2021, nul n'ignore l'importance que vous accordez à la formation de nos enfants aussi bien dans les universités que dans les écoles professionnelles. Donc, la population de Dixine n'est point surprise du nom de cette école qui très certainement va réduire le déficit de l'infrastructure scolaire dans notre commune. C'est pourquoi, à mon nom et au nom de la population de Dixine, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette générosité dont vous nous faites montre. Par ma voix, la population de Dixine vous remercie et vous assure de son total soutien au processus de la transition que vous venez de bien vouloir mettre en place pour une transition, pour une,
pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vive la République. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire de la commune de Bercy. Nous invitons à présent le directeur communal de l'éducation de Dixine à prendre la parole pour son discours. Vive l'école guinéenne. Vive l'école guinéenne. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation et de l'alphabétisation, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Madame l'inspectrice de l'éducation de la ville de Conakry, Monsieur le DCE de la commune, Monsieur le DCE de l'éducation des différentes communes de Conakry, Madame et Monsieur, à vos titres et grades respectifs, Madame et Monsieur, c'est un honneur pour moi, au nom de la communauté éducative de Dixine, de vous souhaiter la bienvenue. La commune de Dixine, qui a l'honneur de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie, compte de nos jours 37 155 élèves, dont 19 160 filles, et 500 enseignants, dont 366 femmes. La cérémonie qui nous réunit rêve pour nous une importance capitale, car la commune de Dixine est une commune qui ne possède pas d'infrastructures suffisantes. Pour permettre d'accès à tous les enfants de la commune. En effet, elle ne compte que 17 écoles primaires, dont 2 francorames, 1 lycée et 4 collèges, dont un franco-arabe. Mesdames et messieurs, vous comprendrez dès lors la joie qui nous anime pour avoir ce bijou. Merci, monsieur le président de la transition, pour l'initiative. Merci, les membres du gouvernement. Je vous remercie. Monsieur Konaté Mamadi, DCE de la commune de Dixine. La commune de Dixine. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci, monsieur le DCE de la commune de Dixine. S'il vous plaît, allez à tête, dis-moi, allez pas dans le discours là. Monsieur le DCE de Dixine, priez de prendre place, nous allons continuer les discours. Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure, avant de passer la parole aux représentants des parents d'élèves, je voudrais en votre nom saluer la présence effective de l'administrateur général de l'administration et contrôle du grand projet et son adjoint parmi nous depuis très tôt le matin. Je voudrais signaler qu'il s'agit des responsables à part entière
de cet événement que nous sommes en train de vivre à l'instant. Nous allons à présent passer la parole aux représentants de l'APAE régionale. Le représentant donc des parents d'élèves de la commune de Dixin et de la ville de Conakry à prendre la parole pour son intervention. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, dans le cadre de tirer les leçons des premières semaines de la rentrée scolaire et sachant l'insuffisance notoire des infrastructures scolaires, nous ne pourrons que vous remercier de ce don très précieux qu'attendent les parents d'élèves et la population guinéenne en général. Nous ne pourrons que vous dire merci pour ce don précieux, gage certain d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage de nos enfants. Au nom donc des parents d'élèves de la ville de Conakry en général et ceux de Dixin en particulier, nous remercions le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Nous remercions le gouvernement guinéen et nous, parents d'élèves, nous sommes à la disposition sous guide éclairé du colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Mon nom, c'est Fassine Conti, président de la coordination régionale des parents d'élèves de la ville de Conakry. Merci à vous. Nous disons merci à monsieur le coordinateur du bureau régional des parents d'élèves de la ville de Conakry. À tout seigneur, tout honneur. Nous allons passer à présent au nom des parents d'élèves. Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et d'Habitat. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Monsieur le maire de la ville de la commune de Dixin, Monsieur le chef de quartier, distingués invités, Monsieur le président de la République, nous, parents d'élèves, à travers les anciens, sont ravis du geste patriotique que vous êtes en train d'implanter pour le développement éducatif afin de lutter contre l'analphabétisme. Merci, merci. Nous sommes avec vous pour un changement radieux, pour une Guinée prospère et unie. Que les Guinéens comprennent votre mission de transition dans la paix, l'unité et dans le travail.
sans distinction socio-économique, ethnique, religieuse. Nous remercions les membres du gouvernement, sans oublier le chef d'État. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Barry, je suis parent d'élève. Ok. Merci. La présence parmi nous de monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur Bernard Gomo, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être à nos côtés en ce moment. Nous allons à présent, comme je le disais tantôt, à tout seigneur, tout honneur, demander respectueusement à monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de bien vouloir prendre la parole pour son discours de circonstance. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. L'espoir de la jeunesse, l'éducation est en marche. Mon frère, c'est tout ça. Sors maintenant. On va essayer de bouger maintenant. Messieurs les ministres, membres du gouvernement ici présents, Monsieur Souyaya et Monsieur Bernard Gomo, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs de l'éducation, Mesdames et Messieurs les cadres ici présents, chers parents d'élèves, chers notables, chers imams, tout protocole confondu, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la pose de la première pierre des travaux de construction et d'équipement d'une école primaire moderne de 18 salles de classe avec salles informatiques, bibliothèque et cantine. En effet, la question des infrastructures et équipements scolaires fait partie des défis majeurs auxquels notre système éducatif est confronté, ce qui prive près de 2 millions d'enfants en âge scolaire de leur droit à l'éducation, selon le diagnostic du système éducatif national RISEN 2019. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour témoigner l'engagement et la détermination au quotidien de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de doter notre système éducatif d'infrastructures et d'équipements scolaires de qualité. C'est pour cette raison qu'à la suite de ma communication sur l'état des lieux, des infrastructures et équipements scolaires en Conseil des ministres, à la date du 17 mars dernier, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition a donné des instructions fermes au gouvernement d'élaborer un programme d'urgence de construction et d'équipement de nouvelles écoles, dont la première phase de cette initiative concerne un projet de réalisation de 1000 salles de classe à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, la construction d'une école dans une communauté est un acte majeur
l'avenir des enfants de la dite communauté. L'étape de la commune de Dixine constitue donc le point de départ de ce vaste programme d'infrastructures et équipements scolaires. Cette action s'inscrit en droite ligne de la lettre de mission adressée à mon département par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, et du programme décennal de l'éducation PODEC 2020-2029 à travers l'axe prioritaire accès équitable à l'enseignement général. L'implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parents d'élèves, contraints de parcourir de longues distances pour recevoir les cours ou de s'inscrire dans un établissement d'enseignement privé, souvent très cher, qui cause une énorme charge pour certaines familles. Aussi, il est important de souligner qu'à Dixine, sur 96 écoles primaires, seulement 17 écoles sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves, contre 18 971 au privé. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure mes propos en m'acquittant d'un devoir, celui d'adresser à son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, la profonde gratitude de la communauté éducative, enseignants, élèves, parents d'élèves, pour ses actions salutaires et salvatrices en faveur de la qualification du système éducatif guinéen, gage certain de l'édification d'une nation forte, unie, paisible et prospère, comme nous l'enseigne le Talmud. Citation : le monde ne peut être sauvé que par le souffle de l'éducation. Vive le CNRD, vive l'école guinéenne, je vous remercie. Nous allons demander à la presse d'accepter libérer cet espace. Nous allons demander à la presse de nous permettre d'arriver librement à cet espace. L'agenda programme à présent la pause de la première pierre. Avant la pose de la première pierre, nous allons demander
à l'imam Ratib de prendre la parole. C'est la fin de la série de discours, de prendre la parole pour des bénédictions, parce que l'agenda prévoit. Parce que c'est là. En tout cas, on a fait faire on a fait faire ici le Djama, la Guinée Dibiri, Khilira, Moussena qui est mort. La Guinée, si elle a la Guinée Bouitiri, on a fait la Guinée, si elle a la Guinée Bouitiri, on a fait la Guinée gouvernement n'a fait. Donc, on a fait la Guinée Bouitiri. Si on a la Guinée Bouitima, on a la Guinée. Donc, on a normal la Guinée Bouitide, on a fond de fibre. On a eu un peu de temps pour la soirée. On a eu un peu de temps pour la soirée. On a eu un peu de temps pour la soirée. On a eu un peu de temps pour la soirée. On a eu un peu de temps pour la soirée. On a eu un peu de temps pour la soirée. On a eu un peu de temps pour la soirée. ونعوذ بك من كل شر ما أسأيك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا من يقول لشيء كن فيكون بحق قولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله يرشدون أخوكم في الإسلام الإمام راتب الحسن جمال الدين السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا إمام وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته merci beaucoup à l'imam Ratib On a fait 30 ans, il n'y a pas d'infrastructure. Grâce à lui, ça y a marché. Ah, comment sont-ils, on connaît. C'est la continuité. Maman dit, c'est le sauveur. C'est la libération. La presse a choisi la position. Je salue la commune de Dixil. La Dixil a eu la chance. Mais c'est un départ, ce n'est qu'un commencement. Le gouvernement Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour intimider ni saboter. C'est le développement à la base que Dieu protège le CNRD et les ministres qui sont en train d'aider les populations. La Guinée ne mange pas son fait. Que Dieu me fait à ça. On a
dans le mois de Carême. Je salue les ministres qui sont là, même ceux qui ne sont pas là. Ils ne dorment pas pour nous les Guinéens. C'est la place où on est. Ah, même Badia, on est là. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Pour la pause de la première prière, nous demandons à tous de rester sur place. Les membres du gouvernement vont venir procéder à la pause de la première prière. Prière de rester sur place. Voilà. Comme ça, en face de nous. Merci beaucoup. La presse indique, les cadreurs indiquent la bonne position, s'il vous plaît. Ici, dans cette localité de Bruxelles,
N'oubliez pas de nous poser la question. Voilà. Avant hier, il fallait se rendre à la même du marché ou à Tixi sur la terrasse pour rejoindre une école de proximité. Aujourd'hui, dans cette quartier, cette école va permettre aux enfants d'être à quelques mètres de leur école. Nous estimons que c'est une très bonne chose. Monsieur le ministre, quel est le coût et le délai d'exécution? La durée d'exécution. Dans 6 mois, le coût. Le coût, le coût. Le coût de l'exécution. De cette travaux, de cette infrastructure, qui n'est qu'elle là, pour aboutir. C'est-à-dire, ceux qui sont chargés de construire, c'est tout ce que nous avons abouti. C'est que cette école a déchargé la population. Est-ce qu'une telle initiative est prévue pour les autres communes de l'État, voire même pour les autres? Nous allons Inch'Allah. La dernière fois, vous avez suivi un conseil de ministre. Pour que les enfants soient proches de répéter la même chose. Monsieur le ministre, vous savez que l'Axe est la zone la plus pauvre de l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez dit? Justement, ça sera sur toutes les territoires.